On arrive au bout de notre programme. Alors, donc, voilà. Très bien. Alors, les morceaux des élèves en direct, c'est à vous maintenant. J'ai assez parlé. Est-ce qu'il y a des volontaires pour nous jouer ou un volontaire pour nous jouer un petit morceau en direct? Alors, vous battez pas. Ah, Axel, ah, Axel, non, 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 je plaisante. Alors, comme tu veux, mais alors, bon, Jean-Louis, peut-être? Non, il n'a pas envie ce soir. Jean-Louis joue beaucoup hein, devant les autres. Non, non, il veut pas. Thibaut? Non. Je vois que certains font chauffer l'harmonica, donc je me dis peut-être qu'ils sont en train de répéter pour nous jouer un petit quelque chose. Allez, juste quelqu'un, un petit morceau, au moins une petite phrase, un petit truc. Allez, Jean, peut-être. Allez, je t'en remercie. Bon, je vais vous jouer un petit truc là. Je crois que c'est une balade western qui Ouais. s'appelle Red River Valley. D'accord, Red River Valley, super. Normalement, je la connais plus ou moins par cœur, mais je mets quand même la tablature D'accord. si jamais j'ai un trou de mémoire. Bravo! Donc, on applaudit Jean. C'est notre manière d'applaudir ici. Voilà. Non, on n'applaudit pas. Parce que comme les micros sont branchés, si on fait ça, on dit c'est bizarre, ils tapent dans les mains, on n'entend rien. Donc là, voilà, c'est normal qu'on n'entende rien. Bah, merci Jean de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Jean pour qu'il améliore encore son interprétation de Red River Valley? Un petit effet qui. Sympa, pas très difficile à jouer, mais comment dire, qui fait vraiment un country. Qu'est-ce qu'on peut bien lui proposer? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non? Personne n'a dit ce qu'on pourrait faire pour que ça sonne un peu plus country. Petit effet sympa. Non? Alors. Alors, plutôt que de faire juste des notes, on peut faire un petit vibrato de main. C'est très sympa à faire en country. C'est un peu plus cowboy. Donc, il suffit de. Pas besoin d'avoir une position de main particulière. Voilà. Tu peux même vraiment faire. C'est un peu comme les gosses, quand ils veulent faire les Indiens, ils font. Ben, c'est exactement le même principe. C'est faire ça. Et donc, vraiment, faut pas hésiter à. Comme si tu applaudissais, quoi. Essaye. Alors, tu vois, pour que ce soit encore mieux, ce que tu peux faire, c'est rapprocher les mains, tu vois, comme ça. Plutôt que de le faire ici, tu rapproches les mains. Et un peu comme si tu vois, si je fais ça, oh, ça fait du vibrato. Voilà, ça commence à venir. Et tu peux faire un mouvement encore plus ample, quoi. Vraiment. Voilà. Voilà.
Bah, tu peux jouer dans les films de western, c'est bon. Ouais. Voilà, bravo en tout cas. Merci. Ok, allez, donc pas d'autres propositions. Axel, est-ce que Axel a une crampe au coude ou est-ce qu'il a vraiment levé le doigt pour Je sais pas, c'est mon temps. Là. C'est de The Animal, c'était les portes d'une pénitentiaire, je sais plus le nom. Ah oui, House of the Rising Sun. Voilà, House of the Rising Sun. Je suis un peu stressé, donc je vais risquer un peu de me tremper. Hein. Pas de problème. Après, c'est toujours le même. Bon, si j'ai super, pas super. Bah, merci. Voilà, House of Rising Sun. Hein. C'est normal au début. J'ai des cours pour guérir du trac, hein, si tu veux. C'est vrai. Hein. Non, après, ça fait 10 ans que je fais du tête, mais c'est pas pareil. Ah bon avec l'harmonica, c'est pas pareil. Ok, bah, en tout cas, bah, c'est encore plus... louable de ta part d'avoir osé. Ok, bravo. Ouais, merci. Ouais, voilà, sympa. Hein. House of Rising Sun. Les Animals. Donc, les portes de pénitencier pour repris par Johnny Hallyday, effectivement. Ça me fait penser qu'à un élève qui m'avait. C'était un de ses projets. Il m'avait dit voilà pourquoi je vais jouer de l'harmonica. Ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose de. Enfin, faire de la musique. Et j'adore cette chanson, Les Portes du Pénitencier, la mélodie, j'adore ça. Et en fait, son objectif, c'est juste ça. Et il voulait, pour le mariage de sa fille, il m'a dit, ma fille se marie dans un an et demi. Ça fait déjà, on est une très grande famille, donc on pourrait voir ça largement à l'avance. Et j'ai envie de faire ça pour elle. Et donc, du coup, il avait bossé toute l'année pour sortir Les Portes du Pénitencier le jour du mariage de sa fille. Et alors, le truc, c'est qu'il m'avait raconté qu'il avait dit à personne qu'il prenait des cours d'harmonica. Et au moment avant de lancer le bal, je crois, enfin bon, voilà. Et voilà, j'ai juste proposé quelque chose. Est-ce qu'on peut m'approcher un micro? Ah bon, la fille, ça y est, mon père va se mettre à chanter. C'est une catastrophe. Il a sorti l'harmonica de sa poche. Il a joué Les Peurs du Pinancier. Tout le monde applaudit, évidemment, mais il était vraiment fier de lui, quoi. C'était vraiment sympa de. Enfin, je trouve ça génial d'avoir des projets comme ça, quoi. De pouvoir faire la surprise aux autres, quoi. Ça a vraiment ému tout le monde, évidemment. Ok, merci.